Bonjour à tous, c'est Libia. On se retrouve sur Football Manager 2019. Cette fois-ci avec le Barça, tout simplement pour la Ligue des Champions, pour notre premier match qui va se dérouler contre l'Inter. Donc, avant, je vais vite fait vous montrer. Je suis en groupe H, mon groupe, donc Barcelone, Shakhtar, Schalke et l'Inter. Donc voilà. Donc nos premiers matchs, ce sera contre l'Inter. Après, ça sera contre Shakhtar. Après, on rejouera encore contre Shakhtar. Après, l'Inter et Schalke. Voilà. Sinon, pour faire un petit point sur la première, la Liga, j'ai perdu. Là, le dernier match, j'ai perdu contre Valencia. Ce qui me vaut sûrement classement, je suis redescendu cinquième, en sachant que l'objectif c'est le titre. Pour l'instant, j'ai pas trop de confiance. Donc, avant d'aller sur le match, je tiens à vous rappeler que dans la description, il y a un lien vers Instant Gaming qui vous permet d'acheter des jeux à prix très 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 réduit. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Et si Football Manager vous intéresse, n'hésitez pas non plus parce qu'il est en promotion à moins 38%, je crois. Donc il devient 33 euros et vous achetez 2019. Vous avez la version Touch avec ainsi que la clé d'accès à la bêta qui dure jusqu'au 2 novembre. Donc n'hésitez pas, c'est très très intéressant. Donc du coup, on y va pour notre petit match. Donc je joue un 4-2-1, 4-2-3-1, avec beaucoup d'intensité. Est-ce que j'aurais récupéré? Alors j'ai acheté Lucas Lima, pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, parce que en DG, bah, j'avais que Alba. Et voilà, donc du coup il m'en fallait un deuxième à tout prix. Hein. Donc Lucas Lima, je sais qu'avec le FC Nantes, il me fait des trucs personnellement très intéressants. Donc du coup j'ai dit allez hop, faisons-le aller dans un grand club. On va voir si on n'a pas mieux que Coutinho là. Bon, si il y a mieux, c'est Messi, mais Messi, je peux pas le mettre partout, hein. Je peux pas le tripler, hein. Dommage. Voilà, bah du coup on va y aller comme ça. Donc Suarez, Dembélé, Coutinho, Messi devant, Rakitic, Vidal derrière et après Alba, Piqué, Umtiti et Roberto et en gardien Ter Stegen. Voilà. En remplaçant, je vais garder le gardien. Après je vais mettre Munir, Alegna, Sendanto, Denis Suarez, Lenglet et bah, Lucas Lima parce que Alba. En ce moment, depuis le début de saison, me prend des cartons jaunes, des cartons rouges, un peu quand il veut. Donc, j'ai pas le choix. Donc, c'est parti. J'ai pas encore mis le fesse, toutes les fesses parce que sur les sites 10 Go, les gros packs, j'ai pas envie de les mettre pour le moment. Je vais attendre que ça s'allège un petit peu. Parce qu'en plus, là, j'ai pas beaucoup de place sur mon SSD. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? On doit pouvoir s'imposer facilement, non, parce que c'est l'Inter quand même. Bon, c'est à vous de jouer, bonne chance. Délégué adjoint, vas-y. Les consignes pour péter les jambes aux joueurs. Je rigole. Et c'est parti. Donc je suis en mentalité positive. Donc on va voir ce que ça va donner. Je devrais peut-être passer en prudente contre l'Inter. Ouais, on va faire comme ça. On va centrer. On va aller sur les flancs et on va dédoubler puisqu'on a quand même des arrières assez rapides. Centre varié. Ouais, ça on verra après. Prenez la vitesse de défense. Et voilà.
Oh. C'était beau. Bon, mais si, j'y fais attention parce que à chaque match, il se blesse, hein. Ouais, pour ça que j'ai bien fait de mettre prudence, hein, prudente, hein, parce que ça fonce, hein. Oh là 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 là, c'est du rapide, hein, chez Inter. Hein. Dans l'autre match, ils ont dû marquer parce que du coup, je suis à la deuxième place. Allez les gars, là, on y va, on arrivera. Ah, pas mal. Tac tac tac. Qu'on a Alba qui est pas trop mal. Ah, penalty. Allez, Vidal. Oh putain. Naze. Oh, il se tient toujours la tête. Hop, hop, hop. Attends, laisse-moi regarder les pénalties. Il n'y a pas mieux que Vidal là? Enfin, 18. 18 Vidal. Et il me le met à côté, quoi. Oh là là, il me fait arrêter quoi. Hop, 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 hop. Ouais, non, c'est le meilleur tireur que j'ai, hein, normalement, donc. Il a intérêt à être chaud, mon gardien, parce qu'à mon avis, il va souffrir. Hein. Ah mais j'en reviens pas quoi. Penalty raté quoi. Allez, laissez pas jouer. Oh non 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 non. Ouf. Mais non, mais ça, tu pouvais passer un peu sur Messi, là. Ça tire de loin. Pourtant, normalement, consigne, 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 j'ai pas tiré à vue. Hein. Ouh! Non, mais non, mais non! C'est quoi ce gardien? C'est Superman, sans déconner! Sans rien! Sans rien! On va leur mettre soyez créatifs un petit peu. Ça devrait les booster. Ah mais il y avait un appel de balle là de. Ouais, bon bah ça va. J'ai rien dit. GG Messi.
Ah bah du coup ça pince. Ah, ça n'a pas marché étant donné qu'on vient de marquer. C'est pas grave, donc du coup je peux plus rien faire, sinon je les aurais félicités. Bah Messi, on va le féliciter à la mi-temps. Hein. Messi, ça fait toujours du bien de le féliciter. Tu le prends en partie là. Donc, on va faire la petite cause d'équipe, donc on est assuré. On joue plutôt bien, mais on peut faire mieux. Et donc du coup, Messouille. Donc, assuré. Je suis très content. Ah bah. Ce con, il me fait contredire. D'habitude, quand tu as mis toi, tu lui dis quelque chose, il est heureux. Ah bah là, il a perdu sa concentration, quoi. Il est devenu tout rouge. Et là, ils me disent qu'il est inspiré. Tout va bien. Mais pourquoi le gardien est dégagé sur Messi? Il a envoyé la balle sur le plus petit, quoi. Ah ben non, mais je suis con, c'est eux. Oh là là, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui l'arrête? Ah. Non, parce que. Le mec, il s'est fait un rodéo trip au milieu de mon terrain, ma moitié de terrain, là. Oh là 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 là. Nous devrions faire le pressing sur Marco Icardi aux abords de la surface. Vas-y, bah vas-y, mets en place. Hein. T'es l'adjoint, faut bien que tu serves à quelque chose. Je te paye pas à rien foutre. Oh les gars là. On va mettre tout de suite le deuxième. Oh là là là, mais saute toi. Bah non mais là, c'est un bleu. Oh là 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 là. Vas-y Messi. Suarez sur le côté. Là, ouais, bah, il y a. D'emblée qui fait une tête, quoi. C'est pas mal. J'aurais préféré que ça soit Suarez qui récupère, quoi. Combien 60e minute là? On va bientôt faire un petit changement, je pense, là. Bon, l'avantage qu'on a, c'est quand on court une équipe comme le Barça, c'est qu'on a des temps forts, il y en a tout le temps. Donc en fait, on regarde le match quasiment tout le temps. On a très peu de coupures. Excusez-moi. Donc du coup, on va peut-être se faire un petit changement. J'ai bien envie de tenter ça. Mettre Menir à la place de Suarez. Et lui, il est quoi, lui, là? Vas-y, fais voir. Non, mais. Potentiel 4 étoiles. Donc lui, il est pas mal du tout, hein. Aléna. Je sais pas comment ça se dit, c'est Aléna. Hein. Moi, je dirais Aléna. Hein. Dédé, on n'a pas besoin. Dédé, ils sont pas mal. C'est Rakitic qu'il faudrait que je change qu'à 68. Moi, bon, on peut mettre Suarez. Fais voir Suarez, il est comment? Potentiel 3 étoiles, il y a 2,5. Bon, ok, écoute. Ça fera l'affaire pour la fin de la période. On se garde un changement en cas où on a un blessé. Ouais, ça c'est. Non mais le gardien, tu vas te calmer tout de suite. Joli tacle. Ouh, t'es pas en jeu lui là? Avant que c'est pas cadré. C'est vrai que leur gardien est bon. Hein. Andanovic. Andanovic. Vic. Vic.
pas mauvais du tout, hein. Je pense que s'il l'avait pas eu. Ah bah voilà, je l'avais dit. Que j'avais bien fait de garder un remplacement. Coutinho qui se blesse. Vas-y, vas-y, il me faut un arrêt de jeu là, je peux pas laisser Coutinho blessé sur le terrain. Là. Oh, oh la shot qu'il a eu le gardien. Oh la shot. Le poteau qui lui renvoie la balle dans les mains. On a eu chaud là. On a eu très chaud. On les presse bien haut, mais... Il m'a fait peur, le gardien. Il est parti à l'opposé du... Ouf. Ça laisse traîner la baballe. Ah, Schalke a battu le... Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Bon, les gars, faut y aller là. Piqué, faute. Oh, oh, il gonfle la bloc. Ça pue ça. Qu'est-ce que je peux leur dire moi? Soyez créatifs, on va leur mettre. Oh là 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 là, ça presse un peu trop dans nos, devant nos buts. Hein. Heureusement que ma défense n'est pas trop mauvaise. Hein. Ouais, ça a rien fait. Ça m'a fait plaisir à quelques-uns, mais voilà, passe à Roberto là. Allez, Roberto, tu centres. Punaise, il n'y pas Munir. Putain, eux, quand ils sont gonflés à bloc, ils sont gonflés à bloc. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, vas-y mon gardien. Oui. C'est tendu, hein. Conserve la balle, conserve. Voilà. Bah. Eh ben écoutez. Victoire. À l'arraché, dans la douleur, parce que la fin de match était. On s'en est bien tiré vu notre prestation, quand même, je tiens à le dire. Messi, pourquoi t'es démotivé? Et on va te rassurer un petit peu, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez montré de belles choses. Ouais, t'es déconnecté, le pauvre. Ouais, il a perdu la tête, Messi. Bon, bah écoutez. On n'est pas. On est deuxième du coup. Bon, c'est parce qu'à cause de la différence, nous qu'on a mis qu'un but et eux, ils en ont mis deux. Donc voilà. On a perdu 2-1 et nous on a gagné 1-0. Donc, bon écoutez, voilà. On se retrouve du coup à très bientôt, parce que dans tac, tac, dans 4 jours de Liga, on se retrouvera contre encore en Ligue des Champions, donc nouveau match dans 4 jours, à peu près. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à mettre un gros pouce bleu vers la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, tout et tout, hein, le petit train-train quotidien. Et je vous dis à très bientôt.